Salut tout le monde, on se retrouve sur Tale of Iron. Nous étions ici au château et nous avions libéré les bardes. Alors, où est-ce que cette arène? Il y a toujours cette zone qu'on n'a pas trouvée. Ah, je pense que c'est la clé qu'on n'a pas ici. Mais... ici, c'est l'arène. Ok, allez, let's go. Go à l'arène, faire nos preuves. Alors, d'un bond, oreille grise bondit dans l'enceinte. Rabbits of white whiskers had sent their most agile warrior. It would take more than a hop and a skip to overcome the formidable gray ears. Pas de poison, mais bon. Up a hearty challenge, but his grand hops were no match for Reggie's iron will. C'était limite. C'est parti. Habituellement en voyage sur les trois mers, le Captain Blacktail a fait une apparition spéciale au tournoi. Captain Blacktail,
a treacherous pirate, notorious for his adventures across the three seas. Reggie wondered if he was as fearsome on land. Pégus déjà. Sea Rat put up a good fight, but Reggie thought the captain might be better off sticking to the ocean. Régler ses comptes, Denis est de retour pour un nouveau round dans l'enceinte du tournoi. Notre frère Dennis had returned with a vengeance. Il veut sa vengeance. Fully armed to the whiskers. Alors, on a parti au match sans s'équiper. He was determined he wouldn't lose another. Ah, il a que c'est arrivé. Once again felt the bitterness of defeat at his younger brother's paws. Effort, le réconfort.
Alvor est plus habitué à protéger le royaume des bêtes en maraude qu'à le combattre des rois dans des tournois. Gardien des terres du Nord. Eivor was an old ally of King Rattus. Side by side, the pair had fought frog scum together many times. Sont deux en plus. Reggie live up to his father? Eivor was here to find out. The old rat's challenge. The young rat truly was the people's king. A fitting reward for winning the tournament. Reggie was presented with the king's key. It's a good thing Doug had eventually found it, as Reggie had been sorely tempted to break the lock himself. But as they say, curiosity kills the rat. La clé pour déverrouiller la chambre du roi. Quel mystère recèle-t-elle? Là, on va picoler un petit coup déjà. On va enfin avoir accès à cette pièce. Que va-t-on trouver? Il n'y a plus de guerrier là, c'est fini? C'est fini, c'est bon. J'ai prouvé ma valeur. On a rien. Allons voir cette chambre. The king's chamber smelled of fresh lilac and gooseberries, while the bed glistened with crisp silk sheets. Strangely, a slight breeze blew from behind the bookcase. Okay. Compris. Alors, je m'attendais, je pensais qu'il y avait un passage derrière. C'est quoi cet endroit? Le fer, il faisait des expérimentations. Merde.
Ok. C'est quoi ce laboratoire secret là? Le père avait plus de mystères que je pensais. Attends, j'ai pas envie de me faire chier à casser à chaque fois l'armoire. Hop! Ça c'est fait. Ok. Merde. This half rat, half frog abomination must have been the work of his father. Reggie wondered whether this was the source of all the undead in the crypts. Another of King Radus' secrets, best kept hidden. C'est de là qu'il vient des vents vivants. Le père faisait des expériences sur des rats et des grenouilles. C'est un Frankenstein, quoi. Mais rien là. Non, c'est tout. D'accord. Rien non plus.
tu nous veux. Quoi, t'es juste venu dans la pioche pour nous dire que le jour s'est levé Allons voir la boisson, voilà. Vu que j'ai besoin de recharger. Notre pub. Ah, frangin. Aïe, va. Aïe, c'est peut-être la force, toi. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas me servir. Ah, c'est juste. D'accord. Ok, ok. Allons voir. La forêt des écureuils. Alors on va faire une petite halte. Nous, on se retrouvera la prochaine fois. En attendant, salut tout le monde. Ciao, ciao.